Donc ouais, Faith, donc c'est un jeu New Bloods, et je crois qu'il est chez New Bloods, je me suis pas trop renseigné sur Faith, mais faudra peut-être que je vous montre des trucs après le jeu. Allez, c'est Tipa. Je voulais juste vous montrer l'intro du jeu quand même. Est-ce qu'il va me le capturer directement, ce fils de pute, ou alors est-ce qu'il va faire son gros PD? Je crois qu'il va faire son gros PD, ouais. Ah non, yes. Ça m'était un truc juste avant, genre « Winners don't take drugs ». Allez. Ah, j'adore. Oh mec, moi. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Allez, c'est parti. Donc, ça se joue à la manette ou... Ouais, ça peut se jouer à la manette, je crois. Je sais pas, on verra bien. Donc, initius, begin, catechismus, c'est instruction, c'est quoi? To move, use arrow keys or left analog, ok. I will walk before the Lord in the land of the living. Ah, j'ai ma petite croix. Oh, c'est mignon. Je peux exorciser cette pomme. Blip. Ok, ah, c'est juste, c'est tout ça. C'est juste ça. Comment je fais? Je veux partir. Oh, face demon and cast them with the space key or A button. Ha! Oh, c'est cool! C'est grave stylé! Resist the devil and he will flee from you! Ok, d'accord. Extra, du coup, on a quoi? Replay intro, ok, d'accord. Allez, c'est Tipa. New game. Yes, en latin en plus, mon gars, c'est... Stylé. Scarlis. La track. Oh, juche, mec. Oh, oh la vache, j'ai failli me faire buter par les devs. Oh, les enculés. Ah, j'ai failli me faire enculer par les devs. Eh, c'était vraiment proche. Have you forgotten already? This forest has a mind of its own. If you get lost, you could always try remembering where you've been. Pressing the escape key or start button is a good place to start. D'accord. Ah, ok. Donc on est à la route est tout en bas, la maison est tout en haut, il y a un puits au milieu, et il faut qu'on se retrouve dans la forêt, c'est ça. Oh, il y a un petit caillou, il y a des petits... Il y a un petit pharaon, il y a un petit pharaon. Bonjour, petit pharaon. Pharaon, est-ce que tu connais Jésus-Christ? Oh, oh, c'est quoi? Oh, non! Oh putain! Oh, c'est que. Oh, je veux plus. J'ai plus trop envie! Petit pharaon, tu connais Jésus? C'est un mec, il est génial! Je sens qu'il va vraiment pas me plaire ce truc. Qu'est-ce que toi, petit pharaon? As I walk through the valley of the shadow of death. Fais voir. Oh! C'est quoi? C'est un renard Chaos reigns. Ouais. Voilà, ok. Mais mais on est quand même sur quelque chose de... Faut peut-être se calmer parce que... Chaos reigns, mais dans quelle proportion à peu près? Tu vas bien dormir cette nuit? Et je dois vous admettre que moi, je suis très très fan de tout ce qui est de l'horreur un peu religieuse comme ça. Et j'avoue que... Oh! Ah, mais je sais pas ce qu'il dit. Bonjour, petit pharaon. Y a pas de sprint? Non, bien sûr. Ok. Je croyais que c'était un point and click, en fait, mais on est plus sur du... La Master System, en fait. Et c'est pas si mal. Oh, c'est quoi? The Martin's house lies about 100 yards of the Snake Meadow Hill Road. There is almost no... Mais tu sais quoi? J'ai oublié de changer le nom du jeu. Je suis désolé. J'ai fait n'importe quoi. Ça s'appelle Faith. Ça s'appelle pas du tout Siren Blood Curse. Je viens de m'en rendre compte. Je suis désolé. Pardon, c'est ma faute. Alors...
turn. There is almost no driveway. Trees just out in the middle of a gravel path that is mostly covered in grass. It was difficult to find the house, especially since it was already dark when we arrived. Father Allred seemed to know where he was going. He simply drove straight ahead until we arrived at the house. In the headlights, I saw an old shed off to the right of the path. Father Allred explained that he would rather perform the exorcism away from the house, but the Martins had insisted that Amy remained inside. He complained that having the family present makes it difficult to proceed with elements of the rite that may seem harsh to the lay person. D'accord. Donc en gros, l'exorcisme était un peu violent, donc il a dit à la famille de se barrer. Il y a eu un truc. Il y avait un truc, là. J'ai Jésus, hein. J'ai Jésus et j'hésiterai pas à m'en servir. Non, non, mais faut pas... Ah ok, c'est rien. Ça va, c'est un vieux jeu, Louisiane, ça peut pas te faire peur. Et moi, j'ai peur sur les vieux jeux. Moi, je suis trop immergé dans le jeu. Et j'ai une clé, du coup. Donc, Crux, c'est une croix et clavis. Clavis, on dit d'ailleurs en latin. Ce qui a donné d'ailleurs clafouti. C'est quoi ça? Chaos Reigns. Bah c'est quoi, t'es coco t'es pip. On dirait Spider quand il a tort dans un argument et qu'il invente des mots. Ok. Quoi t'es quoi t'es boogie hit. Jamais, j'en suis où là? Je pense que si je continue vers la gauche, peut-être un peu en bas. Non. Oh, c'était chaud de ouf. Ok. Ah. Ok. Clawis, c'est Clarisse en Renoir. Aimé. C'est le nouveau français. C'est le français de... Non. Bon, d'accord, je repars. Ça veut dire en latin. Ah. Je crois pas, non. The power of the Lord compels you. Oh, je peux bénir le... Oh, j'ai béni le truc. You're invited. Come celebrate Nate and Jason's 6th birthday, Saturday, May 3rd. Direction, turn right at 1338 Snake Meadow Hill Road and go straight past the well. Ok, d'accord. Donc c'est tout droit après le well. C'est le même gameplay Kitty. Ouais, mais je trouve que l'ambiance est mieux retranscrite là. Ce jeu-là, ça faisait un moment que je voulais vous le montrer. Et il y a aussi les jeux de Puppet Combo. Vous connaissez Puppet Combo? C'est des mecs qui font des jeux qui sont très simples. Ils en font beaucoup. Et c'est des jeux qui ont une esthétique ultra... qui ont une esthétique ultra VHS. Et je pense que j'essaierai de vous montrer, ou peut-être Momo, j'en avais parlé à Momo. Mais on essaiera de vous montrer les jeux Puppet Combo. Et si jamais vous connaissez pas, attendez le stream ou alors allez voir directement Puppet Combo. Et c'est vraiment super cool ce qu'ils font. Il y a un fantôme là. Je bénis ce porte-manteau. Eh, c'est devenu chaud un petit peu Deltarune. Haha. J'ai béni une table. Enfin, un truc. Mr. and Mrs. Martin greeted us at the front porch. Mr. Martin led us downstairs to the basement, explaining that Amy was down there in restraints. I felt for him. There was guilt and shame in his voice. Amy was in the very back of the attic with a chair, perfectly calm, staring at us. It is hard to describe the look on her face. It was not the kind of look a child gives you. Ok, donc c'est leur enfant qui était possédé. Est-ce que je peux dépossifier ça? Non, je peux pas. Est-ce que je peux prendre ça? Ok, donc il y a clairement quelque chose qui va pas entre Steve Jobs et Heather Locklear. Il y a une gamine complètement éclataxe. Elle avait les yeux qui me habitent. Dégueulasse. Ok, il y avait un queutru à la fenêtre de la maison. Ouais, il y a quelque chose qui va pas, mec. Hein. Oh, ça pue la bite ici. Bonjour, c'est Jésus. Il y a plus de musique par contre? Il y a plus de musique, je sais pas si c'est fait exprès, qu'il y a plus de musique. Ok, c'est pas, je vais animer ça avec ma voix. Tout. Est-ce qu'il y aura la réflexion, mec?
Oh, 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 y a un truc derrière moi, y a un truc derrière moi, oh, y a un truc qui me suit, non, c'est moi, c'est mon ombre ou c'est un truc. Oh. Par contre, y a des réflexions, y en a pas dans des ou sexes. Hein. Je crois que je suis suivi par un démon, mais c'est pas grave. Y a un truc à la fenêtre. Y a un truc à la fenêtre. Y a un... Dis donc, s'il te plaît, si jamais t'as. Oh putain, ça m'a terrifié. Oh putain, ça m'a terrifié. Oh putain. Oh putain. Comme dans Hitman Contracts. Ah oui, dans la chambre d'hôtel là. Putain, alors ça, mon gars. Ça, c'était la fête aussi. Je peux exorciser la lampe. Non, c'est bon. Exorciser le frigo. Ah, je peux exorciser le frigo. Oh là 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 là. Mais déjà, tu franchement, hein, je vais vous dire ça de la façon la plus honnête du monde. Si mon gosse un jour se retrouve avec un dessin comme ça dans sa poche, instant, je le banne de la vie. Je l'avorte, même s'il a plus de 10 ans. Hein, je m'en fous, je l'avorte. Direct. C'est quoi, c'est un petit gâteau, ça? Je peux avoir le petit gâteau? Stranger Things, j'ai chopé le petit chaperon rouge. Alors, donc ça va vers le cellier. Enfin, vers la cave, voilà, c'est ça, la cave. Ok, est-ce qu'on peut sortir par là? On peut pas sortir par là. Je vais aller en haut avant, quand même. L'enfant dans l'incinérateur. Franchement, dans le sèche-linge, même. On va voir ce qu'il pense. Allez, montons. Voyons voir ce qu'il y a. Ok. Oh, un vélo d'appartement. Et non, ça s'emmerde pas. Il y a même deux petites haltères. C'est bien représenté, en vrai. Est-ce qu'il y a le fantôme de Pierre Ménès qui... Non, il y a personne dans le vélo d'appartement. Là, il y a rien non plus. Le fait qu'il n'y ait pas de musique, c'est terrifiant. Hein. Je pense pas que ce soit fait exprès, je pense que la musique a bugué. Mais c'est quand même tout à fait terrifiant. Cette lampe n'est pas possédée non plus, ça va. Rassurez-moi, je suis pas le seul à vous faire des petits dessins chelous quand j'étais petit. Oh bah non, quand même. Mais tout le monde ici a fait les dessins chelous en étant petit. Hein. C'est un canard là-bas? Ah! Là, 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 là. Le canard est vivant. I don't feel safe in my own home anymore. I hear voices outside around the house at night. I don't let the twins go out in the woods to play. The twins? Ils ont deux enfants, en fait. To play because I'm afraid of what's out there. The house itself feels stressed, distorted, slanted somehow. It's like I'm walking through a carnival funhouse. Amy's condition has only gotten worse. I can't stand to be around her, and I don't know why. She just doesn't seem like herself anymore. I want to take her to the doctor, but I can't leave the boys here. Ah, non, ils ont deux garçons. Ok, d'accord. I found that the phone stops working throughout the day, and now I can't seem to find my car keys. Thank God, Bob comes home tomorrow. Bob, c'est le papa? C'est le padre? Je peux prendre une petite douche ou ça fait mal poli? Le fantôme de Pierre Ménès, il est surtout pas à côté du vélo d'appartement. Ah bah si, maintenant, il est plus gros maintenant, parce que sinon il allait claquer. Je dessinais des murs d'exécution aussi, mais surtout des églises. Moi, j'aimais bien dessiner des églises quand j'étais petit. Et j'avais gagné un prix de dessin, quand j'étais gamin, dans le bled de Rochefort-en-Terre, parce que j'avais dessiné l'église de Rochefort. Et mon dessin était très joli, d'ailleurs. Tac, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Bob must be stationed somewhere in the Middle East because he sent over this weird-looking doll for Amy's birthday. I ask Amish about it next time we have book club. She looks like she could be from over there. Amy didn't seem excited to see the doll. I think she would rather have a phone instead, or maybe seeing a baby doll makes her feel self-conscious about working at the clinic. Ok, c'est chaud, non? Rochefort à côté de la Rochelle. Non, ça c'est Rochefort normal. Moi c'est Rochefort en terre. C'est un petit bled dans le 56. I guess I was the only one who thought to check in the attic. When I got up there, it was freezing cold. I found him standing in the back, looking straight at me, like when I first met her downstairs. We spoke briefly, although it was frustrating to talk to her, or it. Oh là 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 là. I experienced a bit of deception from the demon. During our conversation, she uttered my mother's first name and in other instances spoke perfect Latin. I called for help from others, but nobody came, so I raised my crucifix and began the ride again. Oh là 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 là. Il y a clairement un truc qui s'est pas bien passé. Donc là, on est dans la chambre de la fille, c'est ça? C'est dans la chambre de la possédée. Ça va, Poléon? Quoi de neuf? Il y a des rocheforts partout, enfin, je crois qu'il y a un rochefort, en fait, par élément. Il y a rochefort en terre, rochefort en... Oh là! C'est Toy Story, ici. Donc ça, c'est la chambre des deux garçons, et ça, c'est la chambre de la petite fille qui est possédée, d'accord. Il y a rochefort en terre, rochefort en mer, rochefort en feu, rochefort saphir, rochefort XY, rochefort shield.
Ouais, bah, je me fais rire. Ça fait déjà quelqu'un. Putain de merde. Je suis au sol, Momo. Ça fait longtemps que je suis là, lol. Ok, il y a une map monde là-bas. Est-ce que tu crois que je peux exorciser la vérité du monde? Non, je peux pas. Donc là, il y a rien. Ok, allez hop, cassons-nous. Il y a que dalle ici. Bah, je crois qu'il y a que dalle. Attends, tu sais quoi? Je vais essayer sur le Edge Sketch. J'arrive à reconnaître tous les trucs là. Ça, c'est une espèce de petit. La fausse tondeuse là. Là, il y a clairement Goldorak avec à côté Hulk. Là, c'est Captain America. Là, il y a un petit Walkman. Ça, c'est un petit téléphone sur roulette. Ça, c'est un petit dictaphone. Ça, c'est un Simon Says. Et là-bas, il y a un samouraï. Et à côté, il y a clairement Iron Man Mark 1. C'est bien fait, hein. Franchement, c'est bien fait. Ils ont dit que ça se passait en 87. Je crois, ouais. Oui, c'est ça, 87, ouais. Ok, allez, on redescend. On va aller dans la cave. C'est pas réaliste. Pourquoi? Bah si, c'est réaliste, non? Quoi, le monde était pas comme ça en 87? C'était la Pangée encore, bande de cons. Si, il y avait des Edge Sketch et tout. L'URSS existait encore. Ah merde! Ah merde, Momo! Du coup, tu parles parce qu'elle a fait une référence à l'Afghanistan tout à l'heure, c'est ça? Ou alors c'est juste que t'aimes pas les communistes? De manière générale. Ok, on va aller dans le cellier et on va voir ce qui se passe dans cette maudite maison. Oula. Ok, il se passe des choses. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de musique. Franchement, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de musique. Là, il n'y a rien. Ok. Juste que j'aime pas les communistes. Ah, d'accord. Bon, ça va alors. Là, il n'y a rien. Là, il y a les petites boîtes. Je peux pas les pousser. Je peux pas passer entre elles non plus. Ok. C'est clairement du sang qu'à là-bas, on est tous d'accord pour dire que c'est du sang. Hein? Hein, les mecs? Il y a du rouge. Ouais, il y a du rouge, hein. Il y a du rouge, là. Du rouge? Non, non, Momo, du normal. Oh. C'est quoi? C'est du linge sale? Plip! Oh. Tac, ça, c'est bon. Dear Amy, thanks for writing. It really brightened my day hearing from you. In your letter, you ask what's the weirdest thing I've seen as a missionary. The area we are working in has a lot of folks who practice Kibomba. Ibambe. It's what you might call a pagan religion. It's kind of a mix of Catholic and African religions. One of the saints they worship is San La Muerte, or Saint Death on Espanol. Yesterday we talked to a boy about 15. When we asked him if he had ever prayed, he said no, but I have prayed to San La Muerte. He told us about a time where he stayed over at his cousin's house, and according to him, they prayed to some figures of San La Muerte, and the figures made things in the house move around, man. He got real quiet and scared looking after that. We told him he could pray to God and that God wouldn't make him feel scared like that. We invited him to the church, but he hasn't come yet. I need to wrap this letter up and get back to work. See you in 4 months, Leighton. La mort en Spanish. Là, y a rien. Je peux aller dans les petites flaques. Ok. Je pense que c'est vraiment pas normal qu'il y ait pas de musique et j'espère que ça le fera pas dans les autres épisodes. Là, l'épisode premier est gratos, je crois, et les deux autres épisodes, c'est les démos. Va fan. Non, y a rien. Est-ce que je peux exorciser cette machine à coudre? Non, je peux pas. Ok. Y a plus de screamer en plus, ça c'est bizarre. Mais ta gueule avec les screamers, ça va arriver assez tôt là, nique ta race. Non, faut pas faire ça. C'était con de ma part. Amy's parents could not enjoy witnessing the proceedings of the rite for long. Mrs. Martin was hysterical, and the thing that was inside Amy was feeding off of a fear. Father Allred asked me to take the Martins upstairs. I was physically worn out, but managed to get them back up the stairs into the kitchen. Amy was screaming, "Mother! Mother!" the whole time. Finally, the truth about Hitler's diabolical plan to create a race of superhuman can be told. After a few minutes, we couldn't hear much of anything down in the basement, so I went down to check on things. I found Father Allred lying on his back unconscious with his arms spread out wide. Amy was not in the chair. Jesus Cristo.
qu'est à peine. Est-ce que tu penses que si j'y retourne, c'est la merde? Vous êtes vraiment des fils de pute. Vous êtes vraiment tous des fils de pute. Alors, qu'est-ce qui s'est pas... Jésus. Ah non, hein. Ah oh putain. Pourquoi c'est comme ça? Ça a juste fait bibou pour tes frères. J'ai eu peur des jouets. Les animations sont vraiment stylées. Je vais essayer d'en montrer un peu plus. C'est quoi? Il y avait un truc là. J'ai vu un truc rouge, non? Non, j'ai cru voir quelque chose. Oh, là-bas. Oh, c'est quoi? Il y a Jésus-Christ encore. Aïe. Oh, oh. Descends. Faut retourner dans le basement, c'est ça? Ah oh 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 mec! Oh comment c'est super stylé! Oh comment c'est super stylé! Mortis! Oh là là, fuck off! You whore, you Babylon whore, de la bouillie de prêtre, tabarnak, c'est pas pour me ragaillardir, tiens casse-toi espèce de sale pute, je t'exorcise, in the name of the Lord. Moi faut pas me lancer dans les trucs comme ça parce que je deviens directement chrétien quoi, je suis athée tu vois, mais je m'en bats les couilles. In the name of the Lord, I compel you, demon! Franchement, des fois, je me dis, j'aimerais bien devenir démonologue, tu vois. Je suis sûr que c'est un boulot de malade. Casse-toi. The name of the Lord compels you! Il y a que B4 qui peut faire ça à l'AMF parce que c'est le seul qui est croyant. C'est le seul qui est pas un putain de païen, là. Non! Fuck! Ok, là, y'a rien d'autre, c'est bon. Je pense qu'il faut que je retourne sur le lieu des sacrifices, on est d'accord? Ou alors est-ce que je suis en train de me foutre dans la merde tout seul, là? In the name of the Lord. Daddy. Mamie? Oh! You're non! Elle a dit daddy, je crois. Elle a fait daddy. Oh, putain. Genre, y'a des croyants qui suivaient les meufs, mais on a plein de gens qui suivaient les meufs, mec. On a des païens, on a des croyants, on a des athées, je suis sûr qu'on a des musulmans, on a des juifs, on a tout le monde. I'm mad as hell, and I'm not going to take this anymore. C'est quoi ça? C'était là tout à l'heure ça? C'est la poupée de tout à l'heure, c'est la poupée syrienne ça. Oh mec, j'adore cette synthétisation de voix. Je sais pas comment ils ont fait, mais je veux faire pareil. Je pense que je ferai une nouvelle animation pour les Fright Friday bientôt. Histoire de... Voilà, on change d'année, donc on change d'animation. Et j'essaierai de faire un truc dans le genre, parce que putain mec, J'adore ce truc-là. La synthétisation de voix comme ça, je trouve ça super. Par contre, il y a plus de... On n'entend plus les supplications de beat. Ok. La porte est ouverte? C'est la porte est ouverte. C'est cette porte-là qui est ouverte? Non, elle est encore dans le grenier, cette sale pute. Attends, voyons voir. J'ai pas vu de truc qui menait au grenier. C'est moi qui suis fou ou quoi? Ah mais non, mais putain, c'est là le grenier, c'est pas une porte, c'est un escalier. J'avais fait un stage en Normandie en forêt pour mon BTS gestion forestière, j'avais vu des restes de rituels païens dans les bois, c'était mi-flippant, mi-incongru. Avec funérailles, quand on est allé chez eux en vacances avec Poons, on a fait du lancer de hache. Du lancer de hache, du lancer de couteau de lancer aussi. Et c'est pas religieux, mais c'était super cool. Karen, the church might contact you in a few days to tell you their version of what happened to me. I want you to hear it from me first. A year ago, I was involved in an exorcism of Amy Martin. What they said in the papers about what happened isn't true. My superior father with when I confronted her, she managed to cut the power to the house and her own parents with their own
I have to go back to that house. The nightmares I'm having are real. She's still there, waiting for me. I can still help her. If I don't come back, know that I love you. And I'm sorry. J'ai fait un stage là-bas aussi, mais en cuisine. Ah, en Normandie. Pourquoi faire en Normandie? Ça va me faire peur encore, ça. On est d'accord, ça va bouger, hein. On est d'accord, ça va bouger, ça, hein. Oh, les croix vont se mettre à l'envers, ça va être rigolo. J'aime bien. En vrai, c'est quelque chose que j'aime bien, ça. Les croix à l'envers, quand tu passes, je trouve ça vraiment super bucolique. Nani? My God, what happened to you? Do you see my face is pretty? I have to finish what I started. She's my priest. I'm mad as hell, and I'm not going to take this anymore. In the name of the Lord, I compel you. In the... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un petit bonhomme rigolo. In... C'est pas un bonhomme rigolo. Mortis. Ok, allez, cette fois-ci, je me laisse paniquer là. Putain, je peux pas le passer ça. Mortis. I have to finish what I started. She's my priest. Je crois pas, non. The power of Christ of the Lord. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon you. Tu vas te laisser faire, espèce de sale pute. Qu'est-ce que... Va-t'en! Je ne crois pas en toi, démon! Il va me choper. J'ai l'impression que je joue à un Snake super intense. N'en fais pas spawn d'autre, je t'en supplie. Ok. Oh, l'encu... Oh! Qu'est-ce qui... Non! 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 Attends, sale pute. Oh, Mortis. Mortis. Ah, c'est trop bien. C'est beaucoup trop stylé. Ah, mec, l'animation. Oh là là. Mortis. Elle est où? Oh, oh putain, faut l'esquiver juste après. Ok, c'est chaud. Allez, trois phases. Nintendo, trois phases. Hop là. The power of Christ. Mortis. Allez, laisse-la tranquille, cette petite fille. Ton nom. Donne-moi ton nom des... Mortis. Donne-moi ton nom, démon. Je crois que je me lasserai jamais de regarder cette animation là. Elle est vraiment, vraiment, vraiment superbe. J'essaierai de voir si je peux prendre les autres en full, les vrais... vraiment acheter les autres jeux. The power of the devil. Ah, c'est elle. Ok. Tac. J'ai l'impression que c'est dans la direction que tu la... Genre là, elle va arriver de haut en bas, ouais. Ouais, c'est ça, ok. C'est bon, je comprends le jeu. Hop là. Je suis trop rapide pour toi, gamin. Mortis. Ouais, elle vient entendre à chaque fois, ouais, t'as raison, ouais. Ça suit le vecteur que t'as utilisé pour l'exorciser la première fois. Hop. Voilà! Oh mec! Oh! Non, pas Jésus! Non! Mortis. Il est en train de m'avoir en vrai! Mortis! Oh mec! Cette animation! Ah, moi ça! Qu'est-ce qu'il faut que je fais? Ah, et suis le pentagramme! Qu'est-ce qu'il a fait? Elle m'envoie des choses!
Ok. C'est vraiment... Apprends l'exorcisme en t'amusant, quoi. C'est un jeu à 10 bouts, en fait. Tu vois un bras sortir d'un visage, tu penses à Jésus, mais on t'a fait quoi au baptême? Mec, je te promets que... Je peux pas vraiment t'expliquer, parce qu'il y a des gens qui rentrent en tôle, sinon, mais on m'a fait des trucs pendant le baptême. Ah bah, je te dis, j'ai arrêté directement l'église, hein, parce que... In the name of... Jesus. Putain. Ça va, mais laisse-moi tranquille, ma machine. Ça va, c'est pas parce que t'as un bras qui te sort de la tête tout de suite qu'il faut que tu sois de mauvaise humeur. Qu'est-ce que c'est que cette mentalité de merde, là? Mortis. Je comprends pas. Ouais, je comprends pas non plus. Il faut... Elle suit le pentagramme, en fait, donc il faut pas que je me mette là. Je crois que c'est moi qui merde, là. En gros, elle va faire bouip, bouap, bouip, bip. Voilà, et je peux me foutre là. Là, elle va revenir dans ma gueule. Elle va s'arrêter là. Je peux rester au milieu, ça dérange pas trop. Ici. Là. Elle va s'arrêter en bas à droite. Le truc, c'est qu'elle va peut-être m'arriver sur la gueule. Donc en fait, il faut pas laisser trop longtemps le truc se faire, sinon elle te chope. Je crois que c'est ça. Ah, ça marche pas du tout le crucifix quand t'es comme ça. Ok, je retiens, c'est pas grave. Heureusement que les animations sont cool, parce que putain, je pourrais pas les mettre en boucle comme ça. Voilà, ta gueule. Non, pas ta gueule, ok. Mais j'arrive pas trop à comprendre à quelle distance je peux me trouver d'elle pour pouvoir l'exorciser. Tu vois, là, ça marche pas, mais tout à l'heure, je l'ai eu de beaucoup plus loin. Tu vois, il y a des trucs que je comprends pas des fois. Tu vois, et là, je comprends pas non plus. Pourquoi elle m'a niqué? Ce jeu est plein de mystères. On va l'attendre là. Voilà. Non, pas du tout. c'est rien. Je sais pas pourquoi ça passe des fois et des fois ça passe pas. Reste dans le penta. Ah. Yes. Attends. Non, t'as raison, Zelking. Je crois que t'as raison, Zelking. Elle m'aggro dès que je sors du pentagramme, en fait. Mais ok. Je suis bon, les gars, là. On va l'exorciser, cette sale pute. Enfin, cette... Pourquoi, là, j'arrive jamais à la choper quand elle est en haut à droite. À chaque fois, je me fais niquer, là. Je comprends pourquoi. Ok, on se concentre. Elle va aller en bas après, ensuite, je crois. Non, pas du tout, elle vient dans ma gueule. Bon. Mortis. Ok, bouge pas. Il faut que je demande à Jésus-Christ de me donner ses pouvoirs. C'est pas quand tu touches le cercle, mais je sais pas, parce que... En plus, il fait chier son cercle parce qu'il est trop grand. Merci, tes dracouilles. Mortis. Donc, putain, à chaque fois, je me fais ken. Faut que je me foute plus près de l'entrée. Merci beaucoup, le tracouille. Mortis. Là. Voilà. Oh. Mais non, mais j'étais au-dessus, là. Mortis. Franchement, ça se fait pas. Ouais, si son sprite te touche. Et il y a même pas de 3D, en fait. Enfin, de 2D. C'est juste que si elle est sur toi, même si t'es derrière elle, ça... Que dalle. Là, c'est bon, elle passe au-dessus. Voilà. Juste au bord de son cercle, hein. C'est chaud de ouf. Hop. Je crois qu'en gros, il faut pas se mettre dans les branches. Motif. Faut pas que je me foute dans les branches du pentagramme, en fait. Faut limite que je reste au milieu, comme ça.
Parce que elle, tu vois, son cercle, à chaque fois, il s'arrête aux branches du pentagramme. Donc je pense qu'en restant au milieu, je suis tranquille. Là, elle va m'arriver sur la gueule. Et tu vois, là, j'arrive pas. Bon, c'est pas grave, on va la laisser passer. Hein. Tant pis. Non, je peux pas la choper quand elle est en haut. Vas-y, reviens en bas. En bas, j'arrive. Merde. Non. Mais elle m'envoie des Yeti Sports. Tu te souviens du jeu... C'était un jeu de ski et il y avait un Yeti qui suivait, il ressemblait à ça. Salope de Yeti Sports, putain. Elle traverse au milieu en vrai, bah j'ai l'impression. Hein. Oh la vache, je sais pas comment ça m'a pas touché là. Et du coup, je mets là, genre. Ah, là, c'est mieux. Sauf que là, ouais, c'est bon. Je suis trop près. Ouais, non, j'étais trop près de son cercle. Yeti Sport où tu faisais du baseball, ça, c'était trop bien, ça. Il y avait une version normale où tu foutais juste des coups de batte de baseball à un pingouin. Et il y avait la version gore, et j'adorais la version gore. C'était tellement pété, c'était n'importe quoi. Genre, tu foutais le coup au pingouin et c'était juste sa tête qui volait. Et fallait toucher des mines, je crois. Mais c'était bien plus facile de faire des gros scores sur Yeti Sport Gore que sur Yeti Sport normal. À cause des mines, justement. Ah, et en fait, le petit point blanc qu'il y a sur mon personnage, c'est sa... C'est son costard, en fait. Tu sais, c'est le truc blanc qu'il y a au milieu des costards de Pasteur et tout, quoi. J'avais pas vraiment fait le rapprochement depuis tout à l'heure. Mais maintenant, c'est plus ou moins évident. Voilà. Papa. La collerette, ouais, comme les Galiminus. Naïf. Naïf. De quoi naïf? Pourquoi naïf? J'avoue, j'étais un petit peu trop sûr de moi là. Salope! Enfin, je veux dire, pauvre damné, âme damnée. Tu vas te laisser exorciser, espèce de sale pute. C'est incroyable, il y a vraiment plus de respect chez les enfants de nos jours. Attends, j'étais carrément dans son cercle là. Il y a des choses qui sont pas claires. Va me choper. Ok, c'est bon, on la chope. Ok, là elle fait plusieurs chemins, je crois. Voilà. Tous les chemins mettent à Rome. Oh! What is going on? What the fuck? T'es où? Elle est partie, elle a laissé la petite fille tranquille là, c'est bon? J'ai pu exorciser la fille? Elle a fait bah! Je sais pas si c'est positif ou pas. Machine? Est-ce qu'elle va être dans sa chambre? Fallait voir dans sa chambre. Elle est retournée dans le puits, mais je sais pas. Non, le puits a rien à voir avec ça, je crois, mec, hein. Le puits, c'est... Ou alors c'était une blague à Sadako, je sais pas ce que tu faisais, là. Clairement, Master Shooter. Ah, merci, les gars. Ça, c'est un plaisir. Ça, d'entendre vos supplications, enfin, vos hyperboles, ça fait plaisir. J'ai super soif, par contre, les gars. Quelqu'un m'a mis un Coca. Kill her. Ouais, pourquoi tu me donnes le flingue de... Yeah.
l'abruti, le vrai abruti. Master Shooter. Je sais pas si elle est retournée dans la forêt ou pas en fait. Je pense que ouais. Je crois qu'elle est là-dedans. Non. Ça se trouve elle est pas du tout retournée dans la forêt en fait. Elle est retournée en bas, non? Bah oui, parce que son corps est en bas. Son corps était en bas normalement. Elle était dans la chaise avant qu'elle se fasse rapter. Ok. Le sous-sol peut-être. Ouais, je vais aller voir au sous-sol. En tout cas, il y a plus le démon en haut. Ah. I can wait for a bullet. Ok, on va aller en bas. On va lui foutre une balle à cette pute. Tu vas voir la rapidité de l'homme de l'Ouest. Il est fort. Il est beau. C'est quoi? C'est encore une poupée qui a par terre? Non, en rose, là, à moitié en dessous. Ou alors c'est un petit fœtus? C'est peut-être un petit fœtus. Est-ce qu'elle est là? Non, elle est pas là. Where it is? Where is she? Where that bitch at? Attends, ça se trouve, il faut justement maintenant que j'ai le fusil, peut-être qu'il faut que je retourne dehors. On va aller chercher. On va aller chercher. En tout cas, normalement, elle était dans cette maison avant. Mais je pense que là, du coup, elle s'est vraiment barrée, en fait. Elle s'est barrée de la fenêtre, donc elle s'est barrée de la maison. Exorcisme au shotgun. Oui, c'est ça, au-dessus de la maison, c'est ce que je pensais aussi, Tracouille. On va aller voir, on va essayer de sortir par la porte là. Je sais pas si je peux. Est-ce que je peux? Non, je peux pas. Ok. On va voir si je peux pas faire le tour de la maison pour passer derrière. Kill her. Ou alors, peut-être que ça se trouve, elle est encore dans la maison, remarque. Si je dis ça, mais... Non. Non, je pense pas. On va aller voir. Non, je pense pas que je puisse faire le tour de la maison. Ah, quoique. Non, absolument pas. Ok. Cette chanson, par contre, je la trouve vraiment très très jolie. Elle est simple, mais elle est vraiment superbe. Je sais pas qui s'est occupé des musiques, mais c'est un crack, comme on dit. Bon, par contre, faut qu'on la trouve. Elle est où cette sale pute? Qu'est-ce que c'est que ça? Des tombes. Est-ce qu'il y a des mots qui sont écrits? Elle est reposante comme... Reposant, c'est pas vraiment ce que j'aurais utilisé. Elle est plus effrayante qu'autre chose, mais elle est aussi mélancolique. Et c'est joli. J'espère que je ne veux pas me faire attaquer, par contre, par les saloperies là qui font... Je pense que c'est clair. Elle est où cette conne? Faut que je retourne à ma maison, à ma bagnole. Mister? Je sais pas qui j'ai buté, hein. C'était toi? Je crois que j'ai juste buté un black, les mecs. Je crois que j'ai littéralement juste buté un black. Alors j'avoue... Oh là là, il a été tué par un démon, c'est une catastrophe. Attends, il faut que je retourne à la maison récupérer un fusil du coup. J'espère qu'il y en a qu'un parce que... T'as buté le DJ, bah oui en plus. Il y a plus aucune musique là, je crois que j'ai buté le DJ, ouais. Merde, oh la connerie, il dit. Merde alors. Bon attends, il y a personne, hein. Ah, il y a plus aucune musique là. Bon, testons. Il vous plaît ou quoi le jeu pour l'instant en tout cas? Et là donc ça c'est la première partie, il y a deux autres parties encore. Donc je sais même pas si on est à la fin, hein, mais il y a deux autres parties de Faith. Et je crois que les effets sont encore plus vénères sur les prochaines. Pour éviter de perdre ton temps, t'as gâché ta balle. Ouais bah ouais, j'ai l'impression. Il est grave bien le jeu. Et donc celui-là, du coup cette partie est gratos. Donc si jamais vous avez envie de vous immerger dedans, c'est possible. Et les autres, je ferai que les démos, donc vous pourrez l'acheter aussi en entier, histoire de pouvoir claquer les démos. Putain, mais je suis où, là? Oh non, je vais me paumer. Oh non, hein. Ramène-moi à la maison, là, take me home. S'il te plaît, Country Road. To the place I belong, West Virginia, Mountain Mama. Le premier est gratos, le deuxième coûte 1$. Et le troisième, parce qu'il y a 3 chapitres, du coup, il y a 3 épisodes. C'est que, ouais, 1$, si tu veux, c'est quasi gratos. Avec leur monnaie de merde qui vaut 2 centimes d'euros, ça va, franchement. Franchement, on a de quoi faire. Et c'est une belle petite expérience, je trouve. Enfin, belle. Façon de parler, hein, mais je trouve que le jeu est vraiment, vraiment joli.
Et le troisième, $100. I. Mi. Non, 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 par contre. Eh, non, 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 par contre, tu me dis pas comme ça le jeu. Ah, mais c'est bon. Non, c'est bon en fait. C'était elle. Bah, je vais rentrer à la maison, hein. Non, je crois que je l'ai buté, les mecs, hein. La maison est fermée, je peux pas y retourner, donc je pense que je l'ai tué. Hein. Et du coup, mon perso, il se sent bah, vide. Et bon. Ouais. Mec, le silence de supplication et d'introspection que tu tapes juste après, c'est badant. C'est bon ? Bon, bah, je me casse. I will say of the Lord, he is my refuge and my fortress. My God, in him I will trust. I shall not be afraid. Y a 5 fins! Ah, mec! Ah, chaud! Ah, y a 5 fins, en fait! Esteemed Cardinal Gifford, with all due respect, you cannot grasp the importance of the work I am doing for young Michael without being present here. Michael needs my help now more than ever. In the past few weeks, I have made great progress with Michael's affliction. Nevertheless, whatever darkness is inside of him fights back with increasing ferocity. We must not let up the fight against the enemy at such a critical time. There is another reason why I dare not return Michael to his family nor let them see him. The darkness inside him afflicts his soul, but it also causes a terrible strain on his body. So that there may be no mistaking what I mean, I have enclosed a photograph of young Michael during one of our sessions. The photograph is missing. Ah! Ah! D'accord! Ah oui, c'est facile à faire en fait, d'accord, ok, c'est rapide! A gun with one bullet. I will not rest until I am done. S'il y a plusieurs trucs à buter ou c'est juste qu'il y a plusieurs fins je comprends pas. Il y a plusieurs trucs à buter, un pseudo ou. Elle m'a enculé la fin. Oh, cette musique, mec. Et du coup, faut pas que je tire le prochain que je vois ou. Oh! Un petit fond! Petit fond! Petit fond! Fuck you! Party Rock is in the house tonight! Fuck you! Allez, mission accomplie, je me casse. Le clergé a plus besoin de moi. Get wrecked, Bambi. Le clergé a plus besoin de moi. Est-ce que tu penses que ça fait fin de game ça? Est-ce que c'est une fin? Oh, c'est une fin, mec. Ah, c'est la même, non? J'ai l'impression que c'est la même fin. I shall not be afraid of the terror. Merde, c'est pas la même fin en plus. Oh! Non! Oh, c'est ouf! An unidentified body discovered near wrecked car. The site of the deadly car accident was discovered along a road near Sterling this morning, along with the body of a person who has not yet been identified. At 6 a.m. this morning, a resident called to report an accident along Snake Meadow Hill Road. The driver of a silver sedan has swerved off the road and struck a tree. A spokesman for the police commented that a body appeared to have been dragged several yards away from the car deeper into the woods after having been ejected from the front windshield. It was noted that the body had been mangled beyond recognition. Investigators suspect this was probably the work of coyotes. Police also noted that parts of the clean white-tailed deer were found in the trunk of the car. From a white-tailed deer, a hunter typically gets 75 pounds of meat. However, it appears the victim of the accident was only able to carry 25 pounds back to the car. Eh bien, ok. Putain,
putain, on s'est fait niquer par des coyotes. Si tu te barres sans rien tuer, tu crois qu'on essaie de se barrer? Ok, on va essayer de se barrer sans rien tuer. On va voir si ça fait quelque chose. J'adore ce truc-là, mon gars. Alors les fins multiples, je tiens à dire que je suis très très fan de ça. Donc j'avoue que là, ça, le jeu a toute ma curiosité. Déjà qu'il avait toute ma curiosité avant, là, ça c'est le petit puits. Qui d'ailleurs n'existe pas au pierre-feuille-ciseaux, qu'en disent les gros fils de pute. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'essuyer après avoir tapé l'épaule d'un mec. Ni de faire une croix avant, d'ailleurs, c'est complètement con. Et tous ceux qui disent ça sont des gros païens, et ont besoin de Jésus. Mais du coup, il n'y a aucun moyen de jouer au deuxième chapitre. Ah bah si, si, bah tu l'achètes. Tu l'achètes, mec. Oh, oh, non. Oh la vache! My God, in him I will trust. I shall not be afraid of the terror in the night, nor the evil that walketh in darkness. Because I have made the Lord my refuge. Because I have set my love upon him, therefore will he deliver me. I shall call upon him and he will answer me. He will be with me in trouble. Le matin, quand je me lève, il est là, il est là. Oh, mais... When faith endures. Donc ça, je pense que c'est la bonne fin, ouais. C'est la fin 5 sur 5. Elle est pas rouge, donc je pense que c'est la bonne fin. Police animal expert investigate chupacabra remains now near Sterling. Sterling PD is enlisting the help of local animal expert from the University of Connecticut after the remains of an unidentified animal were found near Sterling. The remains of an animal, which some residents are calling a chupacabra, were discovered on Snake Meadow Hill Road by a motorist yesterday. The animal had apparently been struck by a vehicle and parts of its carcass were scattered across the road. Police say they initially investigated the gruesome scene because the motorists who discovered the remains had told them they appeared to be of a person. After arriving at the scene, police concluded that the remains were of some kind of animal. As a matter of public safety, we want to be sure about what exactly we're dealing with here, said a Sterling police spokesman. This is clearly not a deer or a coyote. If it's a mountain lion or exotic pet that escaped from its owners or an animal with rabies, we need to know about it. Animal expert attached to investigation would not speculate about what kind of animal had been found, although they commented that the animal was hairless, anemic, and apparently suffered from the rickets, a vitamin D deficiency that appears in animals and children who have not received enough sunlight. Ah ouais, c'est vraiment un enfant de la lune. Donc en fait, on a le mec dans le camion, il a écrasé un enfant de la lune, quoi. Salut Chubby, ça va mec? On est en train de checker la fin du premier épisode de Faith et on checkera la démo juste après. Donc be cool, be cool, be good. Et j'aimerais bien me faire buter par le truc, par contre, à la fin. J'ai juste envie de me faire buter par la bestiole là, parce que je suis sûr qu'il y a des animations cool, non? Je crois que j'en ai vu une sur Twitter et j'ai envie de la voir sur mon écran. Si ça vous dérange pas. Saloperie de coyote, toujours eux. Ah ouais, toujours eux qui piquent les poules et le cuivre dans les câbles et tout, hein. Bon, enculé, hein. Enculé de coyote. Ok. On dirait le jeu E.T. Ouais, mais franchement, il est bien mieux, je te promets. Je te promets. En plus, c'est pas sur un Master System que je parlais tout à l'heure, c'était sur l'Atari. On dirait un jeu d'Atari 2600. Worship me. Ah, c'est tout? Ah putain, il y a pas d'animation ni rien. Ah merde, je suis déçu. Ok, d'accord. Donc ça servait à rien. Très bien. Je croyais qu'il allait avoir une animation que j'avais vue d'ailleurs sur Twitter, mais apparemment non. Le prêtre, il se dandine de façon rigolote, mais il roule du huc un petit peu, le prêtre. Hein. J'ai pas envie de faire le mec, mais part sans le shotgun au pire. Bah ça va rien changer, non, à la fin. À mon avis, ça changera rien, mec. Hein. Ok.
C'est un prêtre renois. Il écoute du James Brown. Il écoute... Get on! Hop. Ça, c'est la fille. Ça, c'est la fille. Fuck you. In the name of the Lord, I shall break dance upon your body. Freestyle. Rock a microphone. Straight from the top of my dome. La bonne époque où je jouais à Sequest sur mon Atari. Putain, la chance. Moi, j'ai juste eu une Game Boy et ensuite une Mega Drive. J'ai pas eu d'Atari. J'ai pas commencé avec l'Atari. J'ai commencé avec le PC initialement. Et ensuite, Game Boy original, la grosse. Mega Drive, très vite. Et ensuite, PlayStation. J'ai pas eu d'Atari et j'ai pas eu de N64 et j'ai pas eu de SNES. Et je suis très dégoûté de pas avoir eu de SNES parce que tout le roster me plaît en fait. Tout le line-up me plaît. Chacun fait ce qui lui plaît. Bon alors, est-ce que ça marche là? Est-ce que je vais avoir une bonne fin? And you will know my name is Lord. Oh là, oh là, non. Oh ouais. Sérieusement? Police arrest man accused of murdering missing girl. A New York man in his custody is in custody after he confessed to the murder of a Sterling girl who had been missing. John Ward of Palmyra was pulled over on Snake Meadow Hill Road last night after a state trooper reported hearing a gunshot. The officer thought it might be poachers. The officer said Ward was acting nervous and suspicious after being pulled over. When questioned, Ward reportedly said, "I've killed her." According to the police report, the officer called for backup after Ward became increasingly upset, saying repeatedly that there was a demon inside her. Ward was taken to Sterling Police Headquarters for further questioning. Ward then confessed that the authorities that he shot and killed Amy Martin, a 17-year-old girl who had been missing for 9 days after escaping from a mental institution. Ah la vache, en fait, elle était en hôpital psychiatrique. Je viens de me marier en voyant un truc, j'ai juste sorti un son, puis 3 minutes à tousser en boucle. Ah oui, non, ça c'est bien l'hiver pour ça. After a breach search, police located Amy's body in the woods near the now abandoned Martin home. In addition to receiving a gunshot wound to the stomach, Amy showed injuries suggesting that she had been thrown out of the second-story window of the house. An officer who helped recover the body told reporters that Amy's face had been mutilated in a very brutal manner. Ward was found dressed as a priest when he was pulled over. It is suspected that he impersonated a priest to gain his victim trust after Catholic authorities in Rome confirmed that Ward was not an ordained minister. The rest of the article is missing. Donc c'est ce qu'il dit en fait au début du jeu, c'est que ça a pas été approuvé par le Vatican, ce mec là est pas du tout un prêtre en fait. Enfin il a été certainement excommunié quoi. Il a été plus ou moins excommunié quoi. Ok, je vais aller voir si on peut pas s'approcher de la meuf. On a loupé une fin ou quoi là? On a eu 1, 3, 4, 5 je crois. 3 c'est avec le truc dans le fond de notre caisse. 4 c'était avec les fans là, les petits fans. 5, on s'est barré tranquille. 1, on a buté la fille. Je vais essayer de m'approcher de la fille sans la buter pour voir. Si je prends pas le fusil, c'est parce que... On va aller voir. Non, la 1, on vient de la faire. C'est murderer. Là, il y a un petit... Est-ce que ça va refaire? Chaos reigns. Non, ça le refait plus, putain, dommage. Michel, buter les gamines au pont, on peut pas approuver et brûler les sorcières, à la limite. Excusez-moi. Je suis malade également. Ok, fallait que je continue vers la gauche, je crois. Cette musique, mec. Sauf que c'est pas E.T. vu que ça fait peur. Ah bah ouais. Et puis ça, c'est jouable, surtout. J'ai essayé, hein, d'y jouer à E.T. sur Atari. Mon gars, faut s'accrocher, hein. Ah, je suis retourné là, d'accord. Mais du coup, c'est par où, merde?
Faut continuer vers le bas ou faut aller vers la gauche? Je me souviens plus. Merde. Attends, on va essayer. On va essayer de faire gauche. E.T. faisait peur à l'époque. Bah non, le jeu! T'es fou ou quoi? C'était de la merde. Il faisait peur parce que c'était de la merde, certes, mais... Ouais, voilà, pas pour les bonnes raisons. Voilà. On va essayer de descendre un petit peu encore. On dirait qu'il a une grosse clope, en fait, sur lui, là. Une énorme cigarette. Il y a un énorme indice. Putain, mais je suis où? Elle est où, l'autre pute, là? C'est une pute. Un homme? C'est un homme. Une femme? C'est une pute. C'est pas ça, les paroles. J'avance sur le tas, je suis un peu stressé. Putain, mais je suis où? Donne des seuils. Bah merde. J'ai pas envie de Mortis, là. Non, je vais Mortis encore. Elle est où, la meuf? Donde esta la chica? Je me demande ce que tu chantes, du coup. Pourquoi chanter quoi? Putain. Bah, je sais pas. Bah, moi non plus, j'ai oublié, du coup, j'ai oublié. Elle est où? J'ai trouvé facilement tout à l'heure. Ah. Bonjour, madame. Bah tu fais chier. Tiens, connasse, t'as commencé à me saouler là. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Donc on peut rien lui faire, en fait. On peut rien lui faire à part lui tirer une balle. Je suis désolé, ça pousse au crime, hein. Bon, au début je voulais être gentil, bah voilà ce qu'on fait. Super. Et si je fais non, je peux pas. Elle était empalée. Non, elle était juste debout dans la forêt, triste. Et là, du coup, donc ça c'est toujours la première fin. Et je vais essayer de me barrer, bah, sans le shotgun, hein. On va voir ce que ça fait. Mais je pense que si je me barre sans le shotgun, ça va juste faire la fin de d'habitude où tu te fais choper par la bestiole à l'arrière de ta bagnole, hein. Je pense. Du coup, c'est à droite ou à gauche, là? Ça va être à droite, non? Normalement. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est murderer. Et on va essayer de se barrer sans le fusil tout de suite après. Ouais, super cool. C'est super cool. Ah, putain! Les keufs. Game over. Ok. Ouais, je sais. Buter une meuf, et franchement, ça se fait pas. Et moi, dans mon pays, on fait pas ça. Et voilà, super. C'est facile aussi de prendre les gens de haut parce que vous tuez pas de femmes. Mais bon. Si vous preniez le goût, franchement, ça irait. Allez, on se casse sans rien faire. On a exorcisé. Maintenant, elle est paumée dans la forêt. Elle va bien, elle est juste exorcisée, mais elle s'est pété la gueule du deuxième étage d'un manoir. Donc, bon. Déjà, à la limite, je pourrais essayer d'y aller, d'aller voir la meuf sans fusil. Ça se trouve, si je vais voir la meuf sans fusil, ça fait un truc. On va voir. On va voir après si ça fait quelque chose. De toute façon, ensuite, je vais passer sur Fallout, je pense. Faire une petite session, et puis ensuite, je couperai. Parce que oui, j'ai envie de faire du Fallout. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de Fallout. Et ça fait un moment que je vous dis en plus que je vais en faire. Ah, mais c'est chaud là. Ouais, d'accord. Ok. Donc je vais prendre le fusil et je vais aller la voir. Je comprends que dalle, le fait que je me suis ramené à 23h, ça joue ou c'est normal? Ça joue. Je vais admettre que ça joue. Parce que c'est plutôt clair pour tout le monde, je pense, qui a été sur le stream là depuis le début. Oh! Pas vu ça. Mr. Martin, it has taken longer than expected registering to Morgan. Ok, il habite dans un cimetière, franchement ça se fait pas. Peut-être que je peux la re-exorciser, tu vois. Putain, j'ai tellement les yeux fixés sur les pixels que je vois les pixels en boucle, mec, c'est chaud. Du coup, Wrath Aeon of Ruins est sorti, enfin la version Early Access. Ouais, mais 3D Realm, c'est des grosses putes. Non, mais je le streamerai certainement Aeon, hein. Mais il faut que je me le chope. Il a l'air très prometteur, en fait, il a l'air très très joli, Aeon. Enfin, Wrath Aeon of Ruins.
J'avais pas vu en fait qu'il était sorti parce que je suis toujours banni du Discord de 3D Realms. Donc ouais, on streamera à deux, bah oui, bien sûr. Hein. Je suis toujours banni de chez eux, donc ça se trouve quand je vais l'acheter, ils vont dire non. pas lui, il est con. T'as prévu de streamer Total Overdose? C'est une question ou c'est une affirmation? Total Overdose, j'en ai fait des vidéos, il est chiant à faire tourner, donc je pense pas que je vais le streamer d'ici pas long. Bonjour. Madame. Elle a mangé un peu. Je peux rien lui faire du coup à elle, si je peux dire. Et du coup, c'est qui lui? C'est qui cet abruti? Qu'est-ce qu'il fout là lui? Oh putain, je me suis chié dessus. Qu'est-ce qu'il fait? Il est où? Il est dans le caillou là? Est-ce que c'est toi le caillou? Non, c'est pas lui le caillou. Chaos Reigns. Il est parti où? Il y a un truc, il y a un mec, il est parti là. Et ça m'a fait très très peur. Il est parti en rigolant en plus. Putain, mec, j'ai les frissons, j'ai vraiment eu très très peur. Pour le coup, j'ai vraiment eu super peur. Il est parti où ce gros con? C'est incroyable ça. Encore là toi? Putain, elle est grande cette forêt. Attends, moi je peux toujours rien te faire. In the name of the Lord. Bon, tant pis. Bah, le mec il est juste parti alors. Et je peux pas retourner à la vieille maison de tout à l'heure. Tu sais, il y avait une vieille maison sur la droite. Et est-ce qu'il fallait pas aller au puits avant? Non, peut-être que si, il faut remonter peut-être au puits. Cette chanson me fait de plus en plus flipper en fait. Mais j'ai les mêmes vibes que Organ Trail. Je sais pas si vous vous souvenez que j'avais streamé ça, c'était un remake zombifié de Oregon Trail. Un jeu qu'on peut pas plus classique, je pense. Et il était vraiment super cool et j'ai exactement les mêmes vibes sur Faith que sur Organ Trail. Et ça fait bien plaisir parce que j'avais vraiment kiffé ce jeu-là. Et ça prouve quand même que les graphismes, c'est assez secondaire. Bon, ouais. J'aurais bien trouvé cette putain de maison, mais comme je suis complètement paumé... Oh. J'avais pas vu qu'il y avait de la O ici. Bonjour, j'aimerais un O. Oh. I caught some people walking through the woods around the house last week. Not kids, just regular adults. They told me they got lost while hiking. I pointed them back towards the road. The whole thing just didn't feel right. I think I should go dig up Bob's rifle out of storage. Non, c'était pas aussi flippant que ce que je pensais en fait. j'ai ASMR pour rien. J'aimerais bien retrouver la vieille maison, mais elle n'existe pas. Elle n'existe plus, je crois qu'elle est là. Ah bah oui, hein, il est devant en fait, lui. The power of Christ! Bon bah non, il veut pas. Ta ASMR, un dialogue classique, ouais, je m'en veux un petit peu. Bon bah je pense que c'est bon, tu sais quoi, on va faire quit. Mais quid de cette nouvelle affectation? Available only in Faith Deluxe. D'accord, ok, je vois l'ambiance. Je vois l'ambiance. Alors du coup, je vais exit et je vais voir si on peut faire la démo du 2 ou du 3 avant de se lancer dans Fallout. Est-ce qu'il va me le capturer directement, cet enculé, ou... Ah, d'accord, ok. Je l'ai shooté tout à l'heure, Spider, ça a rien fait de particulier. Donc on commence... putain, on commence, on dirait la fin, justement, avec les petits pharaons, là. C'est toujours ma croix, elle est plus jaune, elle est blanche, maintenant. Oh là, le truc, elle a... comment Outlast 2. Oh, la chanson. Oh. Tu vas t'exorciser, sale con. Oh. Si y a un truc qui se déclenche, je vais me chier dessus. Non, c'est bon. Tu veux pas t'exorciser? Allez. Et on a rien à branler. Non, mais c'est Satanis, ça. Tu peux rien faire, mec. Hein.
Oh putain, c'est des champs. Ils sont encore... Je me disais aussi, il y a des trucs qui se passent. Oh mec, il y en a qui s'effondrent, il y en a qui s'effondrent. In the name of the Lord. Tiens, nique ta race. Non, casse-toi. Mortis. Ok, je vois l'ambiance ici. Putain, ça m'a enculé par contre. C'est vraiment super bien foutu. J'ai l'impression de vraiment mater un film d'auteur sataniste, quoi. Ah. Et du coup, là, faut se barrer, c'est ça? Fuck you. Lui, toujours pas. Mortis. En vrai, je trouve mignon ce jeu. Il est vraiment super. Rien que la musique, franchement, rien que la musique, elle vend le jeu, mec, hein. Non, Jésus-Christ! Est-ce que tu penses que c'est un Super Mario et il faut le faire trois fois? Fuck me! Ou alors faut le re-exorciser derrière? Peut-être qu'il faut le re-exorciser. Non, en fait, fallait réexorciser. Je viens de voir le truc pour payer 200 000 pour que ça laisse un prout, je suis pas déçu. Je sais pas si ça marche. Payez pas pour tester, on verra bien si ça marche un jour, mais Oh non. Dis bah alors. Mortis. Mais j'aimerais bien avoir une cinématique sur celui-là, parce que je crois que les cinématiques sont impressionnantes sur le 2 ou sur le 3. On va essayer de voir si on peut pas le niquer le démon, là. Ça va se faire vite, t'inquiète. I have a body of Christ. Le corps du Christ, des pieds à la tête, musclé comme un athlète. Le corps du Christ, oh quel dilemme, j'aimerais bien avoir le même. Oh dis-moi Jésus, as-tu fait de la muscu? Comme j'aimerais avoir le corps du Christ. Du coup, c'est le 2 ou le 3? C'est le 2 ça. Ah, c'est Faith Chapter 2 Demo. Non, il faut le faire plus longtemps, je crois. Mais il y a un truc, par contre, bouge pas, Tetra, si jamais t'as envie de le tester. Parce que je crois qu'il faut que je change un truc, bouge pas. J'avais foutu en rétro BRB. Mais je crois qu'il faut que je fasse son et que je le mette dans gaming aussi. Voilà. Donc si jamais t'as envie de tester, tu peux. Ça va juste faire prout. Mais si ça te plaît, fonce, hein. Pourquoi il est comme ça? Pourquoi ça m'a baissé un petit peu mon logo, là? Non, ça a rien baissé. Non, c'est bon. Ok. Ah, attends, faut que je... Oula. Il y a tout mon bureau qui a flash. Il y a mon bureau... Toutes les icônes de mon bureau qui sont réactualisées. J'aime pas quand ça fait ça. Le chapitre 1 n'est pas encore sorti, juste la démo. D'accord, ok. Ok. On va essayer de faire ça deux ou trois fois. Le corps de Christ, des pieds à la tête, musclé comme à la tête. Explorificarium. Saloperie de sataniste qui lit Harry Potter, là. C'est les satanistes, ça. Putain, ça m'a fait peur. Il pleure seul tout, mec. Ok. Le corps de Christ, des pieds à la tête, musclé comme un athlète. Le corps du Christ. C'est une chanson de... C'était un de mes épisodes préférés de South Park. Quand ils font un groupe de rock chrétien... Putain, c'est bâtard. Quand ils font un groupe de rock chrétien... Et justement, ils font des vieilles reprises toutes éclatées. Et Cartman, il fait vraiment des trucs super cool. Quand il y a Timmy qui fait son groupe aussi, là. J'adorais cet épisode. C'était mon épisode préféré avec celui de World of Warcraft. Je les ai matés en boucle, ceux-là, mec. Explorificarium. Non. Ah, l'enculé. Je suis sûr que le démon joue à D&D, un jeu sataniste bien connu. Ah bah oui, hein, tous tes enculés, là. Faith plus one, voilà, c'est ça, Faith plus one. Ça a marché pour Creed. C'est ça, ouais. Va niquer ta race.
Je réessaye encore une fois et ensuite on passe vite fait au chapitre 3 et ensuite à Fallout, d'accord? J'aimerais bien faire quelques heures de Fallout, donc... Explorificarium. C'est ça, ouais. Va chier en ta caisse, connard de démon. J'ai envie de regarder Constantine encore, du coup, là. Constantine ou Da Vinci Code, même. Franchement, j'irai jusqu'à regarder Da Vinci Code. Oh, il a fait un bruit rigolo. Il a fait un blibli bloup là. Oh, il y a son visage qui est tombé, regarde. T'as vu, plus on chope le démon, plus son visage il se creuse en fait. Est-ce qu'ils ont tué un chien? Ils ont tué un petit... C'est quoi ça? Ils ont tué un petit chien? Chaos Reigns. Pourquoi ils ont tué un petit chien? C'est super bâtard. Oh là là. Oh là là. What more could I have done? I want them not to go into the fields. I want them against straying too far from the sanctuary. Should I have shut them in their quarters and nailed balls over their doors? Now I'm digging 6 graves here in the shadow of the church. 6 little graves forever looking to Saint William. Some of the boxes are empty. The scattered remains we found couldn't fill them all, but I know they're all gone. I know their souls were taken by that thing in the field. I will finish my gruesome work and then renounce to the ministry. I don't want to see anyone from the sanctuary ever again, not even that girl who stayed inside the house last night. I don't believe in the devil anymore. Whatever did this is much, much worse. Oh la vache. Ah ouais, c'est chaud quand même. Tu pars sur du gros gros démon, quoi. Wow, mec! C'est mon nouveau artwork préféré du monde. J'en dessinais pas des aussi cool quand j'étais petit, moi. Death awaits. Ouais. Par contre, tu dis pas des choses comme ça, espèce d'enculé. We have a few new volunteers, bringing them into works. We've received clearance to move a new group of children. Qu'est-ce qu'ils font en fait? J'emmerde les chats, c'est juste des crises de ramasse poussière. Je t'aime bien, Yaitso. Oh, y'a un colis! Yaitso! Regarde-moi ça! Chouf! Y'a un colis! Super, enculé! Mon calice! Mon calice! Mon calice! Mortis! Mortis! Ce petit bruit de Renault 12 en fond! Colis! Alors. Attends, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'éclater? Il se fout au-dessus de moi, c'est ça? Voilà, Nick Taras. By the power of the Lord, Sister Belle seems like a naturally cheery person, but when the new children arrived, she became positively elated. She dozes over them constantly, takes them on walks, and tells them stories long into the night. I have seen her engaging in strange behavior. We don't teach the children much dancing or singing besides what is found in the hymns. Hymns? Je sais pas comment prononcer ça. But I've seen the children dancing around Sister Bells in a circle from time to time. While they dance, she stands still and looks up at the sky as if listening to something. On another occasion, I found all 6 children standing in a line just outside the cornfield. They were all looking into the field where Sister Bell was standing and talking to them. These odd games don't bother me too much since she's so good with the children. Her cleaning is excellent too. As soon as she arrives, she seemed to just instantly know her way around. What a fucking bitch. Salut Hellbikers, ça va mec? Quoi de feneux? Ok. Y'a des petits Jésus là encore? Je peux pas les exorciser eux? Bah non, ça aurait été con. Ok. Oh! Not shalt kill thou. Thou shalt not kill, c'est ça? Thou shalt not kill. Tu ne tueras point. Ok, mais enfin déjà non. Parce que buter c'est quand même rigolo. Et ensuite, c'est tout? Je peux même pas le prendre, ce putain de crucifix amélioré là.
Ça, c'est plus ou moins un shotgun de crucifix. Oh la vache. They couldn't have given me a worse last case before retirement. Old Catholic church out in the middle of nowhere, one missing woman, four missing kids, and one deceased old nun. The brothers and sisters of whatever the hell the people that work here call themselves are all terrified and worse, superstitious. There was superstitious writings on the wall. All except Father Clark, who runs the place. Him and I drive along the farm roads at night looking for signs of the missing people, and he makes for pretty good company. There are two kids left, twins. Say they were asleep the night the four went missing. They also claim that the woman, Miriam Bell, isn't actually gone. When I ask where she is, they look at each other, then beckon me and tell me to ask her myself. C'est vrai qu'on vit dans une société, les mecs. Ça, c'est vrai. Oh, c'est... Oh, bonjour. Ça va? Vous venez pour la... Bon, bah, c'est moi qui vais faire le... C'est moi qui vais faire l'oraison, hein. Si nous sommes réunis en ce jour... C'est pour célébrer Michel. Michel qui a vécu une vie tranquille. Alors qu'il savait qu'il vivait en société, Michel était quelqu'un d'adoré. J'ai joué à Faith 1. Je n'ai rien compris. J'ai joué à Faith 2. J'ai rien compris non plus. Je vais vous admettre que pour l'instant, je comprends que dalle. Mais je vais continuer. Car c'est ça, la foi. Alléluia ! Je me fatigue. Je me fatigue, poteau. Ok, alors. Où est-ce qu'on en était ? Je peux rien faire, là ? Ah mais attends, il y a un truc qui est pété, ils ont pété un... C'est quoi cette merde? Vous comprenez ce que c'est, vous? Je vois que dalle, je comprends que dalle. Ça c'est quoi? Ça c'est Jésus? Ok, ça c'est bon. Ça c'est quoi? Ça c'est encore Jésus? Et ça c'est une petite... un petit ange. Et vous faites quoi, vous, dans votre vie, bande de bâtards? Vous restez là, vas-y, je t'exorcise. Tiens, c'est bon, toi t'es béni. Toi t'es béni aussi, tiens, je te tousse à la gueule. Faudrait faire un stream que avec cette voix. Tu crois? Oh, il y avait un truc là. On peut descendre là? Non, mais non. J'ai l'impression qu'il y avait un truc par terre, mais non, c'est moi qui hallucinais alors. Oh là, il se passe des choses ici. C'est quoi ça? C'est encore Jésus ça? Oh! Gone. Et là, y'a rien non plus? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh! Oh putain! Eh, faut pas faire des choses comme ça par contre, monsieur! Monsieur! Ah! Ah, ça a ouvert un petit peu le truc! Ah, attends, j'ai pas lu celui-là. This morning we found these very odd objects around the church. The best way I can describe them would be large, life-sized dolls made out of sticks and dead tree branches. Someone must have placed them there while we were sleeping. Hoodlums, maybe, or a group of weirdos. The twins seem fixated on these doll things. They stare out the window at them all day. I even heard them shout that they saw Miriam standing around them, but when I looked, there was nobody there. Maybe it's the strange behavior of the twins or the hours of driving these farm roads at night, but this place is getting to me. I keep having the same nightmare when I'm standing outside a church looking out into the fields. I can see people looking back at me through the rows of corn. Their bodies are painted red. Eh bien, et je peux descendre là ou pas? Non, pas encore. Pas encore! On s'est mis en PLS pour 8 pixels. Mais comme quoi, des fois, ça suffit, mec. Il suffit pas d'avoir des bump mapping en 4K. Je vais pas rentrer dans le confessionnal, là. J'ai des trucs à dire, moi. Oh. Le crâne, il est violet comme la petite fille du premier jeu. Ok, et là, je pense que je vais pouvoir rentrer dans la crypte, du coup. Là, normalement, je peux. C'était un enculeur...
I had no choice. C'est un enculeur d'arbre. C'est le... Comment on dit le... Merde. Le charmeur de poule. Ah putain, il y a encore un troisième. Il y a un troisième truc à exorciser que j'ai pas fait encore. Ça, je peux pas l'exorciser, ça. Thou shalt not kill. I'm mad as hell. And I'm not going to take this anymore. Bah attends, faut que je trouve le dernier truc à exorciser. Putain, ça a refermé. Eh mais c'est un truc d'enculé, attends. Donc c'est ici qu'il faut rester. L'autre là, je vais exorciser lui. Take, ça c'est bon. L'autre il va courir, ça va faire... Apparemment non. C'est pas grave, tant pis. C'est donc comme ça que tu vois tous les jeux, Hoffman. Bah c'est vrai qu'en 60 plus, ça va pas lui faire beaucoup de différence, là. Là, c'est bon. Et maintenant... Tac, on se casse. Et du coup, c'est un autre document encore. I should have known this place was no good. It's no good! The signs were all around me. The disappearances, the creepy twins, the life-size stick dolls. Four of them. Around 2 in the morning, we woke up to the sound of an old woman's cackle coming from the hallway outside the twins' room. I know this sounds crazy, but when we got to the hallway, the laughing was coming from the painting of the Virgin Mary. We thought we had lost our minds. Just then, we heard a loud noise coming from the chapel. We got there just in time to see Miriam drag the twins down the stairs leading to the basement. I drew my service weapon, but was stopped by Father Clark. He said something about God's work and headed down the stairs, stealing the opening to the stairs behind me. Sealing the opening, pardon. The stairs don't seem to open from this side. All I can do is wait. I can't describe the noises I heard down there, but one thing is certain. The devil is real. To anyone reading this, please, for the love of God, don't go down into the basement. Yeah, let's go! Pee pee pee. Bon, bah, du coup, je peux même pas y aller, donc je sais pas pourquoi tu me fais chier. Je peux rien exorciser là. Si, je peux peut-être exorciser les vitraux. Non. Ah oui. Ah mais en plus c'est... Oh la vache! Oh putain! Oh le bordel! Oh le truc de fou! Oh c'est génial! Hop 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 hop! Non! Là! Toi ta gueule! Allez on recommence! Adorable les cathos du coin! Ah ben ça c'est dans les petits villages mec, qui peut rien mec hein! Ça claque du prêtre, ça fouette des culs, je te promets que... Mec, y avait rien de plus flippant que comment, en hiver, quand le soleil il se couche super tôt, tu sais, y a un truc à la fenêtre. Il y avait définitivement un truc à la fenêtre, mec. Il y avait un putain de truc à la fenêtre. Je suis là, José. Tu vas mourir, enculé. Chaos Reigns. Merci Tetracouille pour les 200 bits. Merci mec, par contre ça n'a pas fait de prout du coup, y a pas eu de prout. Mais fallait cliquer sur le truc à droite hein, du stream. Pour avoir ça, je crois qu'il faut pas juste donner des bits, je crois qu'il faut vraiment cliquer sur l'application en fait. Mais merci en tout cas mec. Donc du coup je peux plus l'exorciser ce truc là. Qu'est-ce à dire? Pas le chat. Quoi pas le chat? Toi pas le chat. Ah ça c'est bon, on l'a déjà lu. À mon avis, tu devais courir. Ah ouais, il y a quelque chose qui sonne vrai, Hellbikers. J'aurais tendance à être d'accord avec toi. Fuck off, you fucking stupid hillbilly fuck. Il n'y avait pas de prout. Oh bah merde. On était tous contents d'entendre un prout. Tu peux pas déclencher toi-même le prout pour que les 200 bits ne soient pas gâchés. Mais je sais pas en fait. Enfin, le truc c'est que je peux déclencher. Oui, bien sûr, je peux déclencher le prout, mais ce sera juste. Enfin, vous allez juste entendre un prout en fait. Fais voir. Presets. History. Comment je fais? Je fais comment? Buttons. Je sais pas comment. Je sais pas comment le lancer. Au pire, je peux mettre pour 0 bits. Allez, allez-y, je l'ai mis pour 0 bits, essayez le truc.
On va voir si ça marche. Vous avez le truc ou... Normalement c'est 0 bit, normalement ça coûte rien. Je sais vraiment pas à quoi je m'attendais. Ah mec. Non, tu sais quoi, on est LMF, je fous à 50 bits. Ça doit coûter que dalle, 50 bits, ça fait quoi? Ça fait 10 centimes, un truc comme ça? On le met pas très cher. Ah, ça fait 50 centimes quand même. Bon voilà, écoute, 50 centimes dans la machine, vous pouvez faire un bruit de prout. J'essaierai d'en rajouter, moi, si jamais vous avez des suggestions, dites dans les doléances. Sur le Discord, ce que je pourrais foutre comme son à mettre comme ça. Ah oh, putain, j'en ai marre des cons. I had no choice. Erika, putain. Je vais le foutre à 1488 bits pour Erika. Donc du coup, ça répare ce vitrail là. Et je me casse. Vos gueules, l'échelle de Jacob, ça m'intéresse pas, voilà. Down to the basement. J'ai dit, down to the basement. Darkness, imprisoning me, all that I see, absolute horror, I cannot live. Oh là là. Oh non. Oh alors, oh, je crois pas, non. Oh, je crois pas. Oh là, ça va pas le faire, là. Oh là les copains, ça va... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça, je t'encule. C'est quoi? Oh! Il y avait un petit truc qui se baladait! Oh! Mortis! Il y a des trucs qui se baladent, hein! J'aime pas trop ça, moi! C'est la scène de fin de Rec. Ah ouais, non, mais justement, tu sais... Donc lui, je vais l'exorciser. Ah, il y avait une petite fille. J'ai l'impression que c'est une petite fille, mais... Ah, non. Non. Il veut me manger. Satan. Déconne pas, Satan. Je peux t'aider, je connais des trucs, Satan. Il est où? Jésus? Ah, il est là. Here I come. Il a dit « You can kill me, here I come !»« You can catch me, here I come !»« You can kill me !» On dirait un peu un truc à la SCP en fait. « Here I come !»« You can hide forever !» On peut un peu les comprendre en fait, on peut un peu comprendre. Ça fait quoi? J'ai sauvé la ville? Est-ce que j'ai sauvé la ville? Est-ce que je suis un héros? I need a hero! I'm on out here in the middle of night! Est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai exorcisé l'église là? Oh! C'est quoi? Putain, c'est la vieille nonne qui a disparu? Je crois que c'est. Oh là là! Lengthened, one stood,
Ok. Donc, il faut que j'aille en enfer. Bonjour. Oh, le petit. Il y a un petit Tinky Winky là. Il est parti là. Ah, bonjour. Here I am. Oh non! Ah l'enculé! Ah l'enculé! Ah l'enculé! J'avais oublié que c'était une démo! Là j'avoue par contre c'est du coq bloc tranquille. Bon du coup je vais vous laisser moi acheter Faith. Si vous voulez voir la suite, en attendant je vais aller sur Fallout 4. J'espère que ça vous a plu, moi ça m'a plu énormément. Je trouve que c'est vraiment un putain de jeu. Erdorf Game ont fait un putain de résultat. J'espère que je pense le prendre quand même, mais je pense pas que je vous le streamerai entièrement. Parce que je pense que ça laisse un petit peu de mystère et comme ça vous pouvez le faire de votre côté. Ça c'est pas un jeu qui a de la rejouabilité. Il est pas très cher en plus donc n'hésitez pas. Moi je reviens les gars, je vous fais de gros bisous, à tout de suite. Continuez à faire vos prières. Pas de prière avant de faire votre prière le soir. Non, pas de boogie avant de faire vos prières le soir, ça n'a aucun sens. Hein, allez bisous les gars, à tout de suite.